Oui, Cyril, Taïwan veut renforcer son organisation militaire et prendre exemple sur Israël en ce qui concerne le système de réserve. C'est très important pour l'île qui, vous le savez, est sous la menace permanente de la Chine. La Chine qui considère toujours Taïwan comme une province rebelle et donc Taïwan veut améliorer sa défense. L'île va augmenter son budget dans les prochaines années de 10%, son budget militaire. Elle veut plus d'équipements, plus performants et elle prévoit aussi de changer son système de réserve. Alors aujourd'hui à Taïwan, seuls les hommes font leur service militaire et seulement pour 4 mois. Et la présidente au pouvoir, Tsai Ing-wen, veut changer un petit peu tout ça en s'inspirant d'Israël où, vous le savez, les hommes et les femmes font leur service militaire pour plusieurs années. Et donc l'objectif, c'est de s'inspirer de Tsahal dans les mécanismes de mobilisation. Taïwan qui espère également une coopération militaire approfondie avec l'armée israélienne. Alors c'est important le cas, d'autant plus important qu'Israël et Taïwan ne se reconnaissent pas officiellement. Oui, alors il n'y a pas d'hostilité particulière entre Taïwan et Israël, au contraire, mais Israël ne peut pas vraiment reconnaître Taïwan. Car il y a un risque de se mettre à dos le géant chinois. Et Taïwan, de son côté, applique la réciproque. Cela étant dit, il y a tout de même des échanges économiques, culturels qui sont très importants entre Taipei et Jérusalem. Il y a d'ailleurs un bureau économique et culturel taïwanais à Tel Aviv. Et la présidente Tsai Ing-wen se dit fan d'Israël. Elle a visité le pays en 2013 et elle veut utiliser Israël comme un exemple pour son pays. Il y a aussi une coopération dans le domaine de la santé. Taïwan a fait don de masques et de matériel médical au Magen David Adom pendant l'épidémie de coronavirus qui continue. Et les deux pays ont organisé plusieurs vidéoconférences sur la prévention épidémique. Taïwan qui est un exemple en la matière puisqu'il y a seulement 500 cas de coronavirus qui ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie pour une population de 23 millions d'habitants. Israël a de quoi rougir.